Thank you.
si nous sommes sauvés par le moyen de la foi, ce n'est pas pour Dieu, avec affection et je glorifie. Dieu, je suis pas pour m'annuler, je sais. Je vais lui les deux mains. Et encore dit merci à Jésus d'avoir inscrit ton nom dans le livre des vies ce matin. Et tu vas lui dire merci parce qu'il t'a sauvé au prix de sa vie. Et je vais lui dire merci. Ouvre la bouche et disons merci au Seigneur. Pour la vie qu'il nous donne gratuitement. Il a tombé sa vie à la croix. Ensemble, disons merci à notre Dieu. Thank you.
Amen. Amen. Beaucoup de choses que je vais t'enseigner ce matin. Amen.
Alléluia. Amen. 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 Je vous disais comme ça, l'enseignement d'un prophète est différent de celui d'un pasteur. Amen. Amen. Moi, je vais t'enseigner comment avoir la victoire. Amen. Je vais vous enseigner ce qu'on appelle le feu. Amen. Amen. Oui, je suis le feu de cet esprit. Je vais t'enseigner ce qu'on appelle le feu. Yes. Amen. Avec les versets bibliques. Et tu vas voir que tu, à partir de la semaine qui va suivre, tu vas commencer à renverser les forteresses, renverser le royaume de Satan. Alléluia. Amen. Tu as certainement prié, tu as certainement gêné, pas de victoire. Tu ne vas que d'échec en échec parce que tu n'as pas une révélation. Tu n'as pas la révélation de certaines choses. Amen, c'est pour ça que tu échoues. Amen. On échoue parce qu'on n'a pas la révélation. On échoue parce qu'on n'emploie pas, on n'utilise pas l'arme qu'il faut. Or, nous sommes dans un combat. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes constamment dans un combat. Et à chaque combat, il y a une arme que nous devons utiliser. Amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu commences à avoir une arme chimique, toutes les nations te respectent. Amen. Je vais te donner âme chimique. Amen. Pour qu'on puisse te respecter. Alléluia. Dis amen. Amen. Et quand tu ne fais pas peur à Satan, celui qui t'écrase. Quand une nation commence à avoir une âme chimique, tout le monde s'aligne. On commence à respecter cette nation. Amen. Amen. Je vais te donner âme chimique spirituelle. Amen. Comme ça, le diable aura peur de toi. Amen. Oh, le diable sait que tu es dans l'ignorance. Oh, l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Vous mettez le feu du Saint-Esprit, le feu. Vous savez même pas ce qu'on appelle le feu. Amen. Amen. Pendant que tu mets le feu, lui, on attache ta chambre, il te mange. On a vu une sorcière hier qui dit, elle prend le sang des bébés, elle fait comme Bissa. Elle boit comme Bissa. Alléluia. Amen. Il faut que les gens aient peur de toi. Amen. Ils seront appelés le nom de l'Éternel, les crédons. Frère, quand tu es avec quelqu'un, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Tes collègues de service ont peur de toi. Amen. Le monde spirituel doit te respecter. Or, qu'est-ce que tu as fait pour que le monde spirituel te respecte? Je vais te donner une révélation ce matin. Amen. Pour ne plus que tu échoues dans les combats. Amen. Tu as tellement échoué. Il y a eu défaite. Je vais te donner une révélation pour que tu aies une victoire. Or, on ne peut pas gagner un combat sans secret. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Demandez tous ceux qui ont eu la victoire, il y a eu un secret. Alléluia. Amen. Il y a eu un secret. C'est parce que tu n'as pas le secret. C'est ça que tu perds le combat. Le diable qui est ici sur ton terrain, il manette ton foyer. C'est parce que tu n'as pas le secret. Le diable qui vient jouer tes finances, c'est parce que tu n'as pas le secret. Alléluia. Amen. Le diable vient jouer ta maison, c'est parce que tu n'as pas le secret. Or, quand tu as le secret, tu es tranquille. Amen. Amen. Quand le diable s'élève, tu restes tranquille. On ne peut pas remporter une victoire sans secret. Or, le problème que tu as, tu n'as pas le secret. Je touche en train de sang de Jésus. Sang de Jésus, c'est pas partout, mais le sang. Laissez le sang de Jésus. Frère, pourquoi Jésus, vous allez le rendre ennemi? Si tout le monde allait sans sang, mais il va mourir le monsieur. Vous prenez le sang de l'autre, vous êtes comme des vampires, sang de Jésus, vous êtes des vampires ou bien. Amen. Or, le sang vient nous purifier. Amen. Vous ne savez pas comment utiliser le sang. Le sang de Jésus nous purifie. Ce n'est pas une question de combat. Et nous, ça nous purifie. Or, la Bible nous a vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, en tant que païen, il t'a purifié. Or, à cause du sang de Jésus, tu peux t'exprimer devant Satan. Dans le combat, ce n'est pas le sang là-bas. Arrêtez, arrêtez l'affaire de sang de Jésus, arrêtez ça. Vous n'êtes pas des vampires, arrêtez l'affaire de sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus nous purifie. Amen. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Le sang de Jésus vient nous purifier. Vous avez le sang partout. C'est quand il y a un problème de péché. Quand tu es tombé, tu as succombé, ça ne va plus qu'on invoque le sang de Jésus. Amen. Vous avez le sang de Jésus dans le combat, ça dit rien, Satan. Amen. Amen. Ah, dans un combat, il faut une arme. Vous avez le sang de Jésus, ça dit rien, Satan. Lui, c'est que le sang de Jésus t'a justifié parce que tu es tombé à cause du sang de Jésus. C'est fini. Tout ce que tu vas adresser à Dieu, tu vas te pardonner à cause du sang de Jésus.
Le sang de Jésus a réussi à la croix pour le pardon de tes péchés. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, on dit celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Le sang de Jésus te purifie. On n'utilise pas le sang de Jésus par moi dans un combat. Or, le sang de Jésus vient nous purifier. Dis amen. Il y a des choses que tu dois savoir pour remporter la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui faut des révélations ce matin. J'ai ça qui vient commencer à mûrir. Il faut que je vous donne des révélations. Amen. Or, quand vous avez Dieu, il faut que les gens aient peur de vous. Non. On ne peut pas avoir Dieu et puis échouer quelque part. Non. Or, Dieu, c'est synonyme de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le géant Goliath parlait, a commencé à attaquer l'enfant David. David dit, écoute-moi, c'est vrai, toi tu maîtrises la guerre, c'est vrai. Tu es un habitué de guerre. Mais écoute-moi une chose, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Dis amen, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. C'est lui qui donne la victoire. Or, on ne peut pas se tuer et échouer dans un combat. Si tu es d'accord, dis amen avec moi. Si tu es d'accord, dis amen avec moi. On ne peut pas suivre Dieu et échouer dans un combat. Frère, il faut que le petit sorcier soit mis au pas. Nous allons les aveugler ce matin, dis amen. Alléluia. Nous allons les faire bouger ce matin. Alléluia. Nous allons les faire tomber ce matin. Parce que Dieu te donnera un secret ce matin. Nous fait tomber le diable. Dis amen. Alléluia. Sortir, c'est qui? Satan, c'est qui? Satan a été vaincu à la croix. Amen. Il est qui pour jouer ton foyer? Il est qui? Sorcier qui pour jouer ton foyer? Amen. Au lieu de t'élever, tu commences à prier. Laisse-moi te donner un secret ce matin. Amen. Amen. Je suis tellement révolté il y a deux jours, depuis un moment. Il faut que le diable tombe. Oh yeah. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Dis amen. Il faut qu'il tombe. Il y a des gens qui ont besoin de tomber. Alléluia. Amen. Oui. Il faut qu'il expérimente que Dieu, qui est avec toi, est vivant et puissant. Amen. Tu dois plus échouer. Amen. Non. Tu dois plus échouer. Amen. La seule chose qu'il te faut, c'est un secret, une révélation. Or, la Bible dit que par force de connaissance, mon peuple périt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le message de Dieu, chaque homme de Dieu a, n'est-ce pas, une onction particulière. Moi, c'est pour te donner des secrets. Comment avoir la victoire sur Satan. Amen. 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 Parce que je sais que toi, tu sais que chercher femme des gens, ça peut t'envoyer à l'enfer. Tout le monde sait ça ici. Tout le monde sait que voler n'est pas bon. Amen. Tout le monde sait. Amen. C'est pas moi qui viens te dire, tu sais, qu'aller voler, c'est un péché. Le plus grand féticheur sait que voler, là, c'est pas bon. Amen. Mais ils n'ont pas la révélation de certaines choses. C'est ça, la différence. Il faut avoir un secret. Or, tu vis un combat, mais tu n'as pas le secret. C'est cela que le combat. Tu as l'impression de perdre ce combat parce que tu n'as pas le secret. Je vais t'équiper ce matin, je vais te donner âme chimique et les gens auront peur de toi. Dis amen. Amen. Moi, ma poudrière est pleine d'âme chimique. Amen. Or, quand tu commences à avoir âme chimique, les nations commencent à avoir peur de toi. Ils ont commencé à dire qu'ils vont faire âme chimique. Tout le monde bouge, ils ont peur. Parce que ça, ils connaissent l'utilité de l'âme chimique. Le jour où tu auras âme chimique spirituelle, Satan, les sorciers vont commencer à avoir peur de toi. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Je vais équiper ta poudrière ce matin. Dis amen. Amen. Je vais équiper ta poudrière.